Bienvenue, bienvenue à vous dans ce moment de retour à vous, moment d'intériorisation, moment de recueillement, moment pour rentrer dans l'intime de vous-même, un moment privilégié, rien que pour vous, vous avec vous. Alors à cet instant, vous acceptez de vous séparer du monde extérieur d'une certaine manière. Vous le laissez à l'extérieur. Même s'il y a des sons qui sont là autour, oui, la vie est bruyante, la vie est son. Vous ramenez toute votre attention vers vous. Vous vous priorisez. C'est OK. C'est OK. Et vous vous déposez sur ce siège sur lequel vous êtes à cet instant. Vous êtes dans ce lieu qui est là autour de vous, ce lieu qui peut devenir là pour vous tel un espace sacré, un lieu de sécurité, un havre de paix. Et vous sentez le poids de votre corps, là où il est installé, sur ce siège. Vous êtes sur la terre, dans ce grand théâtre de la terre, avec tous ces feuilletons au quotidien que vous vivez dans votre vie, et là, vous êtes là, ici, maintenant. Rien qu'avec vous, en sentant votre corps, et en sentant la respiration qui circule dans votre corps. Quelle que soit l'ambiance à l'intérieur de vous, vos émotions, quelles que soient vos pensées, quelles que soient les sensations dans le corps, c'est là, oui, c'est là. Et vous contemplez, simplement, vous contemplez tout ce qui est là. Sans rien chercher à modifier. Ce qui est là est là, ce qui n'est pas là n'est pas là. Et les sons de la vie peuvent bien rester à la périphérie de votre champ de conscience. Tandis que vous sentez davantage encore le mouvement de votre respiration. Ne cherchez pas à manipuler votre respiration pour la faire aller plus vite ou moins vite. Simplement, en contemplant votre respiration, elle va se réguler d'elle-même. Et je vous invite à porter votre attention sur vos pieds,
et plus précisément vers les plantes de pied. D'autant plus si vous avez la chance d'avoir des pieds. Offrez-leur votre regard intérieur, bienveillant. Conscience des plantes de pied. En lâchant les pensées, en les laissant circuler. Et peut-être que vous découvrez que l'expiration devient plus profonde, plus vous portez votre attention vers les plantes de pied. Et si toutefois il y a comme des chatouillis sous les pieds, des fourmillements, c'est de l'énergie qui circule là. Vos pieds qui ont fait des milliards de kilomètres depuis que vous avez marché dans cette incarnation. Vos pieds, les plantes de pieds qui portent le poids de votre corps. Lorsque vous déambulez, flânez, courez dans les rues au fil de vos journées. Offrez un regard bienveillant, tendre à vos plantes de pied. Vous permettez même à vos orteils de se décrisper. À vos pieds de se relaxer. Comme si vous étiez là d'une certaine manière, tel un animal au repos, qui dépose ses pattes arrière là, sur le sol. Là où sont les pattes arrière, les pieds, les jambes, les pattes arrière. Et vous permettez ainsi aussi à vos jambes de se détendre. Et la respiration circule dans le buste. D'une façon peut-être déjà plus apaisée. Ou quel que soit le nom, le mot que vous formulez, quand vous ressentez le souffle qui circule dans votre buste. Et les épaules peuvent se relaxer, se détendre. Comme si vous lâchiez tous les licols
tous les joues sur les épaules. Et les bras peuvent se relaxer jusqu'au bout des mains. Les pattes avant, les bras, les mains, jusqu'au bout des ongles. Et le souffle continue de circuler, tandis que la gorge, le cou se relaxe. Et le visage à son tour peut se détendre. Vous relaxez la mâchoire inférieure. La langue se sépare du palais. L'expiration par les narines se fait plus profonde, plus ample. L'inspiration par les narines se fait plus ample, plus profonde. Et les yeux, comme deux petites billes merveilleuses, tombent comme au fond d'un lac. Et les muscles autour des yeux se relaxent. Et tout le visage reçoit le souffle. Souffle d'amour, comme une caresse, comme un vent léger, léger. Et le crâne, les cheveux, la nuque. À leur tour, peuvent se relaxer sous votre regard tendre, bienveillant. À cet instant, la vie ne vous demande rien d'autre que d'être là avec vous. Alors, ne vous en demandez pas plus à cet instant. Accueillez, accueillez votre tête et tout le buste. Et les deux bras jusqu'au bout des mains. Et les deux jambes jusqu'au bout des pieds. Et tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Et le souffle circule dans tout votre corps.
au cœur de ce vêtement de peau, la peau. La peau imperméable vivant. Ressentez que même votre peau respire. Tous vos organes respirent. Toutes les cellules respirent. L'ADN respire. Ressentez, goûtez, vous êtes la vie. Envie. Laissez faire, laissez être la vie en vous, la vie que vous êtes. Comme pour cesser de résister à la vie qui est amour, conscience, sagesse, lumière. La vie vous aime déjà. La lumière vous aime déjà, tel que vous êtes. L'amour vous aime déjà, tel que vous êtes. Alors sentez que vous pouvez vous déposer davantage encore, en toute sécurité. Ici, là, à chaque cycle de votre respiration. En cessant de croire que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes trop. En cessant de croire que vous n'avez pas accès à ou que ce n'est pas pour vous ou que vous n'avez pas le droit. Accueillez, accueillez tel de merveilleux ressentis qui vous donnent peut-être cette sensation intérieure d'extase, de sensualité,
de pureté dans le sentiment d'être en vie. Dans le sentiment d'être une pure semence d'amour, déjà plantée en terre, déjà émergente, déjà rayonnante, unique dans votre différence, à accueillir. Goûtez, ressentez. Accueillez votre souffle, comme si vous donniez à votre souffle un nouveau rôle, celui de vous nourrir de qualités, de ressources. Tandis que le souffle là circule en vous, empli de rondeur, de bonté, vous qui là êtes en vie, ressentez le luxe d'être en vie, pur miracle. Voilà, offrez à votre souffle toute la liberté en votre être de circuler, diffusant des parfums, des arômes de ressources. Comme si vous déconfiniez votre propre respiration, votre propre onde vibratoire qualitative.
Permettez à votre souffle d'avoir accès libre à toutes les parts de votre corps, dans tous les interstices, pour y amener une énergie de lumière, de conscience, de sagesse. Rentrez dans la sensation, rentrez dans le concret de la sensation, dans le ressenti de ce qui se passe là en votre corps, qui est pure concrétisation d'amour, d'équilibre, de sagesse, autant qu'il le peut. Laissez vibrer la vie en vous. Laissez jouer la vie en vous. Dans son rôle empli d'amour. Accueillez votre souffle, vous, artiste, dans la vie. Le souffle est là comme votre agent qui vous permet de vous distribuer ensuite dans différentes facettes de votre être en fonction des situations. Votre souffle qui souhaite que vous ressentiez amoureusement chaque partie de votre corps physique pour goûter au miracle de l'incarnation. Vous, âme incarnée, pure énergie de lumière, d'amour, de sagesse, de conscience. Au cœur de votre véhicule corps. Vous qui souhaitez contribuer à amener plus de beauté, de bonté, de conscience dans le monde.
Permettez-vous de vous sentir devenir un végétal, un merveilleux végétal, une plante. Ancré dans une terre fertile, déployant votre grâce et votre flexibilité, accueillant le mouvement de la vie autour, telle une danse, tandis que vous restez dans votre axe. Déployant votre souplesse, gardant votre équation personnelle, votre couleur personnelle, votre texture personnelle, votre parfum personnel. Au cœur de toute cette végétation immense de végétaux, tout autour de la terre et à côté de vous. Aspirez, sentez que cela respire en vous. Tandis que vous vous ouvrez là pour accueillir le meilleur en vous et pour votre vie, là, à chaque cycle de votre respiration. Dans cet espace intérieur, empli de douceur, de confort pour vous, de sécurité. Sentez que vous pouvez vous permettre de laisser monter en vous tout ce qui est important pour vous à cette étape de votre vie. Tout ce qui est cher à votre cœur, doux à votre cœur, à votre corps, à votre esprit, à votre âme.
comme si vous vous ouvriez là pour accueillir sous la clarté lumineuse du soleil tout ce qui inspire votre cœur, tout ce qui vous nourrirait de qualité, de ressources, d'énergie vitale. Tout ce qui inspirerait votre être là, désormais, pour regoûter au sourire intérieur, vous réunir à la créativité essentielle en vous, pour vivre avec plus d'harmonie, d'équilibre. Accueillez. Accueillez, accueillez encore tout ce qui circule en vous. En accueillant les images, les pensées, les sons, les sensations, telles des prises de conscience. Pur accueil, tandis que cela respire en vous.
Et c'est comme s'il y avait à l'intérieur de vous un nouvel appel. L'appel de votre cœur, l'appel de votre âme. Comme pour aller jouer à un nouveau jeu. Alors imaginez que vous vous dirigez là, vers un nouveau jeu, inspirant pour votre cœur, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps. Peut-être un jeu en équipe ou un jeu en solitaire. Un jeu qui se joue en duo ou en grande équipe. Un jeu qui se joue mixte ou pas. Un jeu avec ses règlements, ses timings. Les limites de respect de chaque protagoniste du jeu, partenaire de jeu, où chacun a son point de vue, sa vision, ses compétences, tend à donner le meilleur de lui-même. Comme si vous vous laissiez rentrer maintenant dans ce nouveau jeu, tranquillement. En sentant que cela respire avec beaucoup de joie et de délicatesse en vous. Là, juste là. Accueillez-vous dans ce nouveau jeu, en sentant que vous faites du mieux que vous pouvez,
progressant chaque jour. Inutile de viser la performance, vous êtes déjà performant. La première performance a été d'être en vie. C'est là, vous êtes en vie. Ouvrez-vous au plaisir d'agir, d'œuvrer, de contribuer en solo ou avec d'autres, multipliant les points de vue, tout en restant dans votre axe, dans votre mouvement, dans votre équilibre. Accueillez encore un moment, le meilleur pour vous à cet instant et pour votre vie, ce meilleur qui sera aussi bon pour le plus grand nombre et pour la Terre elle-même. Sentez, sentez, vous devenez athlète, athlète de la vie.
et vous ressentez que le maillot de votre peau a tel un blason, un signe de reconnaissance. Vous qui faites partie de l'équipe de la vie, l'équipe de la lumière, l'équipe de la sagesse, l'équipe de la conscience, ou quel que soit le nom que vous donnez à ce sponsor, la vie. Oui, vous êtes sponsorisé par la vie. Accueillez, goûtez encore un moment le meilleur pour vous à cet instant, tandis que se redéfinissent toutes les énergies en vous, tel un kaléidoscope, pour que vous puissiez rayonner de vos 1000 facettes désormais dans votre vie quotidienne, avec davantage d'équilibre, d'aplomb, d'ancrage, de sourire, d'intuition, d'imagination, de créativité, de cœur. À chaque inspiration, c'est comme si vous disiez oui à être comme sponsorisé par l'énergie justesse pour agir avec justesse, avoir la parole juste, le geste juste, l'émotion juste, le geste juste. Le ressenti juste. Voilà, peut-être comme si vous disiez un grand oui intérieurement à adhérer à l'énergie justesse. Et c'est avec cette énergie justesse que je vous invite à ressentir à nouveau votre corps physique, qui est juste là, ici, maintenant. Je vous invite même à toucher votre corps avec le geste juste, le toucher juste, le regard juste, l'écoute juste. Et je vous invite à laisser s'amplifier votre respiration, qui s'amplifie avec justesse pour vous.
Et vous laissez ainsi votre corps se réveiller, chaque cellule de votre corps se réveiller. Vous êtes dans le juste moment, ici, maintenant, pour revenir avec conscience et avec des ressources, des qualités conscientes et inconscientes, ici, maintenant. Alors je vais vous inviter à laisser bouger votre corps, bâiller, saliver si vous le souhaitez, vous étirer, vous frictionner la tête, le devant du corps, le dos, les jambes, les pieds. Vous revenez dans le ici et maintenant, de ce moment qui augure de merveilleux moments désormais. Et pourquoi pas? Mais pourquoi non ?